Bonjour et bienvenue dans Qui veut gagner des millions? Nous commençons tout de suite avec la première question. Konami a remis des packs sur PES 2021. Réponse A, pour faire plaisir aux fans. Réponse B, pour l'argent. Réponse C, pour faire du contenu. Ou réponse D, la réponse D. La réponse, c'est bien sûr la réponse B, pour faire un maximum d'oseille. Yo les copains, comment ça va? Bon là les gars, franchement, j'avoue, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Je suis revenu hier très tard de Monaco, je suis crevé, j'ai le montage du vlog à faire, j'ai pas le temps. Sauf que vous avez été plein à m'envoyer des DM, vous m'avez même notifié sur Twitter. Donc voilà, je suis obligé les gars, c'est mon devoir, c'est ma mission. Je suis obligé de vous faire cette vidéo. Allez les gars, mais là Konami, ils ont complètement craqué. Hein. Ils ont complètement craqué parce qu'au début, bon, je vois qu'ils ont mis des nouveaux packs. Je me dis, bon ok, franchement, moi je m'en bats les steaks des nouveaux packs, je joue plus à PES 2021, mais... tant mieux pour ceux qui y jouent. Sauf que là, déjà, je vois qu'ils n'ont pas mis un pack ni deux packs. Ils ont mis 24 packs. Ils ont mis 36 packs. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient, tu vois. Ils ont lâché les chevaux. Mais en plus, le pire, c'est que les packs, ils sont payants qu'en argent. Oh là là, eh, applaudissage. Non. Konami, là, là, il n'y a même plus de finesse. Hein. Ah les gars, c'est même pas des gros sabots qu'ils ont. C'est là, ils y vont comme des bourrins. Ils en ont plus rien à foutre. Oh, ils en ont plus rien à foutre. Ils essayent même pas de te passer la carotte un peu en finesse. Tu vois. Non, 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 non. Ah non, non, là, ils y vont, mais comme des gros bourrins. Donc, il y a des nouveaux packs, ça, c'est génial. Mais forcément, payable que en pièces. Donc, pour vous faire cracher un maximum d'oseille. Ah les gars, là, ils se cachent même plus. Ils se cachent même plus. Mais allez-y, les gars. Paquet, donnez-leur de l'argent, ça va servir à financer eFootball 2022. Non, je rigole, les gars. Et si vous croyez encore à ça, ben, je peux plus rien pour vous. Mais c'est pas tout. Là, tu te dis, bon, bon, ok, Luthor. C'est pas tout. C'est pas tout. Parce que c'est des dingues jusqu'au bout. Il n'y a pas qu'avec l'oseille qui font n'importe quoi, c'est que dans les packs. Ils t'ont mis des joueurs, mais qui sont plus dans les bons clubs. Ils t'ont même mis un joueur, malheureusement, qui joue même plus au foot, Eriksson, le pauvre. À l'Euro, malheureusement, le pauvre, avec son problème cardiaque depuis, il rejoue plus. Mais eux, ils s'en foutent complètement. Parce que pour l'oseille, ils vont te mettre des Eriksson, ils sont même capables de te mettre des mecs morts. Ah bon, pff. Ah bon, avec eux, maintenant, je m'attends à tout. Donc là, t'as Eriksson, et puis t'as Alaba. Alors Alaba, il est au Real Madrid quand même, les gars. Il est au Real de Madrid, il est plus au Bayern. Eux, ils te le mettent encore au Bayern. Ils en ont plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Bientôt, ils vont plus te mettre les mecs au bon poste. Tu vas avoir Neuer, ils vont te le foutre attaquant. Ah bah si c'est pour te faire cracher de l'oseille, vas-y, let's go. Non mais, les amis, on marche sur la tête. C'est un truc de fou, je le dis encore à chaque fois. Mais là, mais moi, pour moi, c'est incroyable. Et on les laisse faire, tu vois, et on dit rien. Tu vois, les mecs, ils sont contents. Oh, bon, c'est bien, il y a des packs, mais les gars. Et attendez, parce qu'en plus, ils nous font quoi, là, avec eFootball 2022? Ils nous font faire des défis pourris, certes, mais pour gagner des GP. Mais les gars, je vous préviens tout de suite, hein, quand le jeu, il va sortir au printemps, tous les packs qui vont être sympas, ils vont être payables en pièces. Donc vos GP, ça va être comme sur PES 2020, PES 2021. Vous allez les stocker, puis après, bah, vous allez vous les foutre. Donc voilà, c'est vraiment les meilleurs. C'est vraiment les meilleurs, ils se cachent même plus. Voilà. Cracher de l'oseille, les gars, allez-y. Hein. Donnez-leur, ils te refoutent match day. Pff, ok, bon, de toute façon, ils allaient pas t'inventer un nouveau truc, tu vois. Mais là, vraiment, moi, ils m'ont exterminé de rire. Ils m'ont exterminé de rire quand j'ai vu les packs payants. Et en plus, Alaba et Eriksson, bon, voilà. Ma journée était faite, n'en dis pas plus, la vidéo, elle était gratuite. Tu vois, ils me l'ont donné, ils m'ont envoyé un fuck, vas-y, Luthor, fais-toi plaisir, défonce-nous. Bon, les gars, je suis obligé aussi un moment. Je suis obligé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites-moi ce que vous avez packé, les mecs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que vous avez packé? Et jouez-y si ça vous fait plaisir. Mais s'il vous plaît, praise with me. Ne mettez plus d'oseille dans le jeu. Franchement, là, c'est les encourager à nous mettre des carottes. Après, si vous aimez les carottes, les gars, c'est votre problème. Moi, personnellement, je kiffe pas trop. Bon, allez, à la prochaine, les gars, j'ai du boulot, moi. Ciao. She wants the horse and the carriage. A porcelain and Porsche and the garbage. I talk to the mirror. I know that life's not the fairest. I lost my can. I can't pay off the bills with the blessing. I'm sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything.